Civils allemands et militaires français travaillent ensemble jour et nuit, depuis presque une semaine. Des milliers de sacs de sable sont fabriqués et utilisés pour renforcer les digues. Des palettes entières de ces mêmes sacs sont aussi installées par les soldats français dans des zones plus rurales. Ils doivent absolument empêcher les eaux de l'Elbe de passer. Il y a des digues qui se sont effondrées. Je dois protéger, ma mission est de protéger les villages qui sont en amont. Je reste le dernier rempart sur ces digues donc pour installer ce dispositif. Une soixantaine de soldats français a été déployée dans l'est de l'Allemagne pour aider dans la lutte contre les inondations. Tous appartiennent à la brigade franco-allemande. Une aide appréciée de la population. Pour nous, bien sûr, c'est une grande catastrophe. Et cela nous montre l'amitié entre les Français et les Allemands. 20 000 militaires allemands sont également mobilisés pour soutenir les milliers de volontaires qui tentent de sauver leurs habitations des eaux.